Aujourd'hui, des dizaines de produits alimentaires manufacturés seraient remplis d'eau. On en trouve par exemple dans le jambon, dans certains plats cuisinés, et même dans les blocs de foie gras. Mais il est très difficile de connaître le pourcentage d'eau exact présent dans chaque produit, car les fabricants n'ont pas l'obligation de l'inscrire. Le seul moyen de le savoir est donc d'effectuer des analyses. Laboratoire départemental du Morbihan. Nous décidons d'analyser différents aliments comme ces saucisses. Patrice Jacob relève un premier indice, l'ordre dans lequel sont placés les ingrédients au dos du paquet. Au niveau de la réglementation, pour l'étiquetage, il est demandé de faire un étiquetage décroissant, c'est-à-dire qu'on commence par les composés les plus nombreux en quantité dans le produit et on termine par les plus rares. Sur le plan réglementaire, la présence de l'eau en deuxième position signifie que c'est le deuxième composant le plus important dans ces saucisses. Pour analyser sa teneur en eau, la saucisse est broyée. Elle est ensuite mise dans une étuve pour que toute l'eau s'évapore. Les scientifiques comparent ensuite le poids avant et après évaporation pour en déduire le pourcentage d'humidité. Résultat, ces saucisses sont composées de 60% d'eau. Mais une partie est naturelle. On peut considérer que la viande de porc contient 70% d'eau, donc elle apporterait 40% de cette eau dans la saucisse. Les 20 autres sont effectivement de l'eau qui a été ajoutée. Il y aurait donc 20% d'eau ajoutée dans chacune de ces saucisses. Cet ajout est légal, mais l'opération nécessite quelques notions de chimie. Car maintenir l'eau dans la viande n'est pas tout à fait naturel. Sur ce genre de produit, on a tendance à rajouter un petit peu d'eau pour gagner un petit peu en poids. Et pour fixer cette eau, on se sert de produits qui sont des polyphosphates. Donc ils fixent l'eau, ils les fixent sur les protéines. Dans la composition d'un produit, les polyphosphates sont aussi appelés E450, E451 ou encore E452. Ils sont présents dans certains fromages, dans des plats préparés ou encore dans le jambon. Ce qu'on voit ici, c'est de l'eau qui est ajoutée. On voit que ça suinte par rapport à la viande parce qu'en fait, le rôle du polyphosphate ne dure pas forcément très longtemps dans le temps et il finit toujours par relarguer. On voit les gouttes d'eau donc qui suintent un peu partout. On le voit bien sur l'emballage. À ce jour, les polyphosphates n'ont fait l'objet d'aucune étude permettant de connaître leur véritable effet sur notre santé. Ils seraient en revanche suspectés de causer une hyperactivité chez les enfants, ainsi que des troubles digestifs.